partenaire avec le réseau Watch Game Media. Hey, salut à tous, c'est Ossoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Sur PS4, j'ai réussi à me connecter au PSN enfin, donc j'ai allumé la playlist ce matin, tout marchait très bien, j'ai rien eu à toucher aux paramètres, j'ai rien touché, tout marchait normalement, donc j'étais assez content et heureux de jouer à GTA 5, FIFA et mes autres jeux. Donc dites-moi vous en commentaire si vous arrivez à vous connecter au PSN, si vous n'arrivez pas, essayez plus tard dans la journée, à mon avis ça va arriver aujourd'hui, tout va être remis à 100%, le PSN est remis mais pas à 100%, donc dans la journée normalement il sera remis, donc à voir ce soir normalement tout sera bon pour jouer, donc dites-moi en commentaire si vous pouvez jouer ou pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des Lisa Squad et plus précisément pourquoi le PSN a été hacké plus que le Xbox Live. Donc vous avez vu que le Xbox Live ça fait une journée déjà qu'il est remis et vous dites pourquoi le PSN est attaqué plus que le Xbox Live. Tout simplement car les Lisa Squad avaient mis un tweet, je vous le mets en haut en screen, donc ils avaient marqué Destiny free on the PSN, c'est à dire Destiny gratuit sur le PSN. Donc les gens se sont dit, waouh, tout bien, Destiny est gratuit. Après ils ont mis Call of, après ils ont mis Advanced Warfare. Donc ils ont tous été au PSN et le PSN ne marchait toujours pas. Donc les Lisa Squad se sont demandé pourquoi ils marchaient pas alors que pourtant ils avaient arrêté l'attaque. Et quelques heures après on voit que Sony met un tweet où il marque le PSN est en maintenance, nous faisons une investigation. En fait le PSN ont tout simplement mis le PSN hors ligne pour remettre les jeux gratuits, car PlayStation allait perdre quand même à peu près des millions, des millions, des millions et des millions d'exemplaires de jeux, et surtout de l'argent, ils allaient perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc le PlayStation, ils ont fermé le PSN pour remettre les jeux payants, et les Lisa Squad, ça leur a pas plu que PlayStation ferme eux-mêmes le PSN pour qu'ils remettent les jeux payants. Donc les Lisa Squad ont décidé de redonner une attaque, puisqu'ils avaient remis les jeux payants, donc ils ont remis une attaque, ça fait que ça fait une journée entière sans PSN, et ça fait à peu près 48 heures que le PSN ne marchait plus, ça faisait deux jours que le PSN ne marchait plus. Une, c'était l'attaque normale, deux, c'était à cause des jeux, et ça fait quand même deux jours que les gamers n'ont pas pu jouer à leur jeu. Pour ceux qui ont eu la PS4, ils n'ont pas pu jouer à GTA 5, FIFA, et j'en connais un qui est sur Twitter qui m'avait dit, j'ai eu mes jeux, je peux pas jouer, comment je fais, etc. Je lui ai dit, il faut que tu attendes, ça arrivera dans quelques heures ou demain. Et j'espère qu'il pourra jouer, parce que ça me ferait vraiment plaisir qu'il puisse jouer à ses jeux et à sa PS4. Donc voilà les gars, ça me ferait plaisir aussi que vous jouiez. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à jouer, à vous connecter. Normalement, tout sera remis. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi le Lizard Squad a attaqué beaucoup plus le PSN que le Xbox Live. Et puis voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de partager la vidéo pour ceux qui savent pas ce qui se passe. Ça fera vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Roxor. Bye bye.